Les membres du monde animal ont la capacité de vous étonner tout autant que les humains. Par exemple, les animaux de cette compilation ont clairement du mal à choisir le bon adversaire. Voici une incroyable bataille entre un chat et un coyote, où le charou protège sans crainte sa maison et lui-même d'une bête audacieuse. L'instinct de conservation de cette gazelle s'est manifesté et elle a réussi à échapper seule à une famille de guépards. Et ce bélier a vraiment surestimé ses capacités et s'est fait chevaucher par d'énormes cornes. Le chien ne s'attendait manifestement pas à ce que la morsure d'une marmotte soit plus douloureuse que la sienne. La pieuvre a harcelé le crabe pendant longtemps, mais le karma peut vous avoir même sous l'eau profonde. Cette oie s'est retrouvée accidentellement dans une cage avec deux tigres, mais elle n'a pas reculé et a montré au grand félin qui était le chef. Une moufette s'est accrochée au nez de ce pauvre impala. Il a dû manquer d'adrénaline dans sa vie. Une incroyable bataille entre un wison et un cygne. Le petit rongeur s'est accroché à la tête de l'oiseau, mais le cygne a réussi à s'enfuir. Ce chiot voulait vraiment être ami avec un crabe. Mais le crustacé a clairement montré que ce n'était pas une bonne idée. La taille n'a pas toujours d'importance. Par exemple, cette loutre a fait de gros dégâts à un jaguar. Ce dernier ne s'attendait clairement pas à être la victime. On n'est pas soi-même quand on a faim. Et ce pitbull n'a pas choisi la proie la plus facile, c'est pourquoi il s'est envolé. Dans la nature, ces grands prédateurs se croisent rarement. Mais dans une petite arène de cirque, ces deux chats ont décidé de voir qui est le plus fort. Ce chat a décidé de monter sur un cheval. Mais... un pigeon se promenait tranquillement le long de la rive, ne s'attendant pas à ce genre d'attaque de la part d'un poisson-chat. Mais la chance était du côté de l'oiseau ce jour-là. Deux alligators ne voulaient pas partager le même espace, ce qui a provoqué un combat brutal. On dirait que ça a continué dans l'eau. Lequel, à votre avis, a gagné? Une hyène voulait chasser un âne, mais c'est finalement l'inverse qui s'est produit. Un aigle géant profitait de sa proie jusqu'à ce qu'un coyote décide de l'arracher. Le coyote ne s'attendait manifestement pas à une telle résistance de la part de l'oiseau. Un crocodile a décidé de se régaler avec du porc, mais le cochon sauvage a protégé toute sa famille et a obligé le reptile à faire un régime. Si tu veux une vie amusante, achète-toi 4 chats et une oie. L'oiseau montrera toujours au chat qui est le chef. Cet âne a fait comprendre au chien qui essayait de l'attaquer que la meilleure défense est l'attaque.
et ce pingouin protège sa progéniture des pétrels géants. Dad lashes the attacker. Une mouette a voulu voler la nourriture d'un phoque, mais a été immédiatement punie pour son audace. Ce crocodile a choisi le mauvais adversaire lorsqu'il a décidé d'attaquer un énorme éléphant. Le géant a jeté le prédateur à terre avec ses écailles et est retourné calmement sur la terre ferme. Ce chat a décidé de boire dans le mauvais aquarium. On dirait que ce poisson connaît le kung-fu. Ce python doit être un amateur de sensations fortes. Ou plutôt, un amateur d'édredon. Je vais m'en sortir. Et voici un moment où un prédateur menaçant s'est avéré être une victime. Une pieuvre a attaqué un requin, le serrant dans ses tentacules. Les personnes qui ont créé le Wolverine de X-Men ont dû s'inspirer de cette séquence. Cette poule défend ses poussins contre un oiseau de proie avec tant de férocité que l'aigle a dû regretter 100 fois son choix. La mafia des oies maintient tout le troupeau de bovins dans la peur, se moquant même de leur désespoir. Et voici un sérieux combat entre deux béliers. Cornes différentes, mêmes astuces. Et ces taureaux font des combats de MMA. Il suffit de regarder se lancer par-dessus l'épaule. Technique étonnante et belle performance. Cet aigle a attaqué une chèvre de montagne, la saisissant de toutes ses forces. Mais la chèvre devait vraiment vouloir vivre. Même les animaux ont des voisins ennuyeux. Et parfois, j'aimerais pouvoir traiter les miens exactement de la même manière. Ce chien voulait vraiment apprendre à connaître cet animal inconnu. Mais il semble que la tortue soit introvertie. Ce chien s'est frotté au mauvais chat et l'a rapidement regretté. Et ce coq maîtrise le karaté et l'utilise pleinement à son avantage. C'est une bataille de wawaron mâle pour l'attention de la femelle. Ces hyènes ont attaqué un kudu dans l'eau, comptant sur le fait d'être plus nombreuses que l'animal. Mais elles ont été confrontées à une riposte d'une force impressionnante. Cette tortue inhabituelle voulait vraiment goûter à un crabe, mais ses pinces étaient plus convaincantes que l'appétit de la tortue. L'instinct maternel est puissant, même chez les animaux. Cette poule défend férocement ses poussins contre deux cobras. Ce moment où un gros et effrayant crocodile est devenu une proie facile pour le léopard. This extraordinary act of predation was filmed by a tourist in Brazil's Pantanal.
cet aigle courageux a décidé de s'attaquer au bébé crocodile. Mais leur mère a failli transformer l'oiseau en dîner. Une lionne a attaqué cette antilope, mais les renforts sont arrivés, juste à temps. The juvenile predator was about to complete a kill before a giant male buffalo intervened to save his friend from certain death. Pour défendre son territoire, ce tigre a attaqué un énorme crocodile et a laissé entendre que le gros lézard devait rester à l'écart. Do you think there was animosity there that she actually felt? Deux hyènes ont attaqué un grand hippopotame affaibli. Espérons qu'il a réussi à s'échapper. Cette lapine défend sa progéniture contre le serpent. Et après une attaque comme celle-ci, je doute que le serpent ait envie de s'approcher à nouveau des lapins. Vous avez aimé cette vidéo ? Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et vous verrez beaucoup plus de contenu passionnant.